Voici déjà un an sortait le premier tome de Jean-Claude Servet consacré à Godefroy de Bouillon. Le second tome vient de sortir et l'auteur l'a présenté à la salle Les Sépulcrines à Bouillon, où il était entre autres accompagné de Claude Rappé et Vincent Manil. Un sujet qui au départ est local, ça permet de dynamiser, d'intéresser le public autour de Bouillon. Donc ici, je suis parti sur les croisades et j'étais, vous l'avez vu dans le premier volume, entre deux périodes. Il y a trois histoires dans mon histoire. Je raconte le côté légendaire de Godefroy de Bouillon à travers des gamins dans les années 60 qui se retrouvent à l'école, et c'est un petit peu ce que l'on croyait à l'époque, ce qu'on nous a fait croire. On avalait un petit peu tout cela, c'était un peu du fabriqué. Godefroy de Bouillon a été mystifié et on ne connaissait pas non plus la réalité des croisades. Elle a été étudiée récemment, c'est pas très vieux, ça date des années 90, si je ne me trompe. Il y a une historienne qui s'appelle Morelli qui a écrit, qui a démystifié un petit peu les grands personnages, les grands mythes. Il y a été peut-être un peu à la mitraillette. Donc moi, je me situe un peu entre les deux. Donc j'ai travaillé d'après les livres de Claude Rappé, qui lui a commencé sa carrière en jouant le personnage de Godefroy de Bouillon, parce qu'il est fort attaché ici au mythe de Godefroy de Bouillon. Mais évidemment, depuis ses débuts et aujourd'hui, il voit peut-être les choses un peu différemment. Donc j'ai jonglé un peu entre cela. J'avais des vieux textes, des vieux bouquins qui sont introuvables, mais que j'ai trouvé ici à la librairie de l'Archéoscope, qui retraçait la légende de Godefroy. Je constate une nouvelle fois que Jean-Claude est d'une modestie extraordinaire. Tout le monde connaît son coup de crayon, sans doute un des plus beaux d'Europe. Et tout le monde aussi connaît son esprit scrupuleux. Ce n'est pas un anachroniste, ce n'est pas quelqu'un qui dessinera n'importe quoi. Il se renseigne, il se documente. Alors merci en tout cas Jean-Claude d'avoir si bien travaillé. Merci d'avoir remplacé sur la deuxième couverture la tête de la jeune femme par une tête de faucon. Oui, il y avait une jeune femme sur le tome 1 et puis maintenant tu mets des oiseaux. Ça. S'il y a des psychiatres, on va avec lui. Il y a des choses qui bougent dans la vie d'un homme. Mis à part ça, c'est un très 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 beau dessin, vous le constatez vous-même, et je suis très fier d'avoir participé, modestement d'ailleurs, parce que c'est 8 pages sur un album qui est en cours de 70, je crois, etc. Salut à toi, JCS. Si bientôt Jean-Claude, tu seras sur les chemins de Compostelle, ce soir tu nous reviens en terre ardennaise, même lyonnaise. Et oui, tant pis pour toi, tu es sorti de ta tendre gaume pour pénétrer la pluie d'Ardenne. J'ai lu ce second tome et encore une fois merci pour rendre à Bouillon ces quelques perles esthétiques qui sont les siennes. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'un semblant de renouveau est en train de s'accomplir. Miracle, une si belle ville doit être entretenue comme il se doit ou devrait. De nombreux Bouillonnais et Bouillonnaises retrouvent leur coin, leur maison, leur ruelle à travers ton livre. Ce tome permettrait également aux nombreux touristes de garder une trace de leurs vacances en terre d'Ardenne. Ta passion reste intacte, Jean-Claude, dans l'art du beau. La colorisation reste parfaite. Avec ce second tome sur Godefroy, Servet conclut l'histoire et le mythe en nous offrant un regard sur notre histoire et notre société. Le premier tome s'arrêtait au moment où Godefroy de Bouillon partait pour les croisades. Et ici, je suis parti donc pour les croisades. Et j'ai travaillé d'après un documentaire qui était passé, je pense que j'en avais parlé déjà dans le premier tome, mais ici c'est encore bien plus précis, et c'est mentionné sur la page de garde de l'album. C'est un film qui a été présenté à la RTBF, et qui est passé plusieurs fois sur la 1, 2, la 3. Et c'est un producteur belge qui est allé en voiture et qui a refait tout le voyage
de Godefroy qui est passé par les différentes villes aujourd'hui. Et il a revisité les croisades. Ça m'a servi vraiment de guide pour faire cet album. Et le producteur il s'appelle Jacques Martin, et c'est, ça doit être mentionné là, de toute façon, vous avez les références. Et ici, ben, ma foi, j'ai reconstitué des combats de croisade et autres. C'est assez exceptionnel quand même dans ma production. Donc, je ne pensais pas que j'arriverais à faire ce genre de choses. Mais en jouant, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que les enfants vont jouer l'histoire de Godefroy de Bouillon au théâtre. Et on va le voir beaucoup dans ce deuxième tome, parce qu'il y a des reconstitutions qui sont impossibles à réaliser. On ne peut pas dessiner comment était Jérusalem à l'époque de Godefroy de Bouillon, comment étaient les différentes villes, c'est impossible. Et puis bon, c'est pas mon boulot non plus d'aller rechercher comment ça aurait pu être. De toute façon, c'est une interprétation, il n'y a pas de documents, si ce n'est que quelques dessins naïfs, mais qui ont été de toute façon réalisés 200-300 ans après la croisade de Godefroy. Donc, où est la vérité? C'était beaucoup trop compliqué. Et les scènes que je ne pouvais pas reconstituer, je les ai fait jouer par les gamins sur la scène de théâtre. Et ça me permettait de raconter l'histoire. Jean-Claude Servais ne s'arrêtera pas de nous raconter des histoires. Ce dernier est déjà en route, c'est le cas de le dire, vers de nouvelles aventures. Mais je pars pour un gros projet. Je pars sur les chemins de Compostelle. En fait, je veux... C'est le prétexte pour aller visiter le patrimoine français. En travaillant sur les chemins de Compostelle, j'espère être présent dans des librairies régionales ou des librairies générales où on parle des différentes régions de France. Alors, premier tome, je pars de Belgique et je passerai la frontière. Et en même temps, je mets un personnage... qui se trouve au Mont-Saint-Michel, et ces personnages vont se retrouver, se croiser en fonction des différents albums. Et ce sera combien de tomes? J'ai aucune idée. Je fais un fil rouge et je vais... Mais c'est pas uniquement Voyage de Compostelle, le machin cateau, loin de là. Mais il y aura aussi cette version-là, hein. Je vais montrer un peu toutes les versions. Et en fait... Le fil rouge, le point de départ, c'est un voyage alchimique qui est lié avec les chemins de Compostelle. Il y a un lien.